Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus en compagnie de Kate bien sûr, et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, moi je pensais, je réfléchis à deux secondes. Et elle prendra soin de vous. Laisse-moi tranquille. Je réfléchissais il y a deux secondes vis-à-vis d'il y a quelques épisodes. En fait, je vous parlais d'une possibilité. Taisez-vous tous. Si quelqu'un a besoin de baf, on s'en occupe aussi. C'est fastoche, non? Merci. Et donc, je disais qu'il allait potentiellement y avoir des armures d'Iron Man refaites pour l'occasion de ces armures assistées. Et en fait, j'aime me dire que j'ai au moins quintuplement raison, puisqu'en fait, regardez. Regardez. Normalement, j'en ai un ici, voilà. Imaginez les petits répulseurs, donc ça s'appelle des répulseurs, hein, d'Iron Man. Vous savez le petit bruit qu'ils font juste avant? Eh ben voilà les fameux répulseurs. Voilà à quoi, à quel type d'armement on aura sur l'armure en question. c'est génial. En fait, ils ont tout, ils ont déjà implémenté dans le jeu 95% des choses, enfin non, 85% des choses, on va dire, possibles et imaginables pour la création d'une armure d'Iron Man, quoi. C'est dire, hein, c'est pas des conneries. Hein. Bon, on cherche l'abri 95, pardon. L'abri 95, des abris ressemblent à ça. Nous avons l'abri 81 ici. Il suffit d'avoir un petit coup d'œil. Il me semble qu'on l'avait déjà exploré. Peut-être celui-là, hein. 95, terminé. Eh ben non. Et on y va et on va donc... Ah merde, j'ai pas pris d'armure assistée. On est en pleine zone de conflit. Enfin, en pleine zone de radiation. J'aurais peut-être dû prendre une armure assistée. Comment dire, tiens, on va faire un épisode même. On va donner... Ah oui, parce que là, je vais me prendre des... Ah non, même pas. Cool. Y'a pas d'ennemis. Y'a pas d'ennemis. On va prendre une arme avec un silencieux, parce que sinon, est-ce que de cela... On pourrait se retrancher un bon moment ici. Oui, certes, mais enfin bon, c'est pas... Bon, tu sais quoi, on y va. Kate, viens s'il te plaît. Hop. Allez, hop, c'est parti, on y va. Kate? Kate! Ah non, c'est bon. Il m'a presque fait peur. Bon. On y va. C'est bon. Je me demande si les pièges sont encore actifs. Apparemment non. Apparemment non. Bon. Pendant, il y a encore les armures là. Enfin, les comment les. Une minute. T'as entendu quelque chose? Personne d'autre? Résidentiel. Ça doit être par là. Recherche. Research, comme on dit. Quoi? Ah oui, c'est les différents mecs que j'ai. Ah! Attends un peu que je te retrouve. C'est les mecs que j'avais sauvés la dernière fois, que j'avais pas tué. Ok. Il y en avait un aussi là-dedans que je n'avais pas tué. Ah si, j'avais fini par l'abattre. Si, si. C'est de la merde. Balance-moi tout ça. Ah non, c'est marrant, c'est pas un indestructible celui-là. On y est. Hey. Montre-moi. Tu voulais me demander quelque chose? Bah oui, on y est. Relation. Attends de bonnes relations. On s'en sort pas mal, toi et moi.
Et c'est déjà beaucoup quand on voit le monde merdique dans lequel on vit. Excusez-moi. Peu importe. Ce sera tout. Ça me va. On y est. Est-ce qu'il faut que je... Hello. Alors, on a peut-être un truc à activer dans la... Problème de pillard. Bah non. Est-ce qu'on aura un bug parce que ça n'aurait pas déclenché la quête ? Je suis sur le coup. Est-ce qu'on aurait un bug parce que ça n'aurait pas déclenché la quête ? Hey. J'espère que ça en vaut la peine. Pareil. Qu'est-ce qui va pas ? Avis sur la situation ? Si t'es sage. Je te montrerai peut-être quelques-unes de mes techniques secrètes. Ouh. Oh là là. À quoi tu penses ? Tu donnes les ordres et j'exécute. Ça me va. Bon, ok. On y est, hein. Ah bah, elle y va. Comment c'est la purge ? Ah, elle y est en tout cas. On ferme. Erreur, aucun sujet détecté. Comment ça ? Bah un instant, je reviens, on va voir. Hein. Heureux, chers amis, alors apparemment, on s'est fait entuber. En fait, là, il est... Je suis allé voir directement sur le wiki, apparemment la quête ne trigger pas forcément à chaque fois. Ce qui veut dire que il faut qu'on change de partenaire simplement et on va reparler juste je vais lui reparler en fait de sa dépendance jusqu'à ce que la quête trigger tout simplement. Et pour ça donc il faut faut changer de partenaire en fait jusqu'à ce qu'elle à chaque fois qu'on changera de partenaire en fait elle acceptera d'en reparler. Par exemple là je vais prendre Kanigou imaginons. Hey. Allons-y. Viens mon grand. Il est temps d'y aller. Voilà. J'envoie Kate à Sanctuary. Kate retourne à Sanctuary. Excusez-moi. On peut y aller ? Comment tu te Ça sens ? Ça dépend. Tu te sens comment ? Je me sens assez bien pour aller botter le cul des méchants, si c'est ce que tu veux savoir. Alors, on se met en route ? Allons-y. C'est bon pour moi. Bien. Alors on se bouge. Me regarde pas comme ça, espèce de râteau pas la con. Ah, elle parle au chien. Oh, sois pas méchante. Commencer dissidence, parler à Newton Oberly, ah bon? What the? Afficher résumé. Très bizarre. Très très bizarre, oui. On a trigger une autre quête. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un coup de main? Apparemment, ça a pas marché. Kanigo. Allons-y. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Excusez-moi. On peut y aller ? Allons-y. Bien. Alors, on se bouge. Me regarde pas comme ça, espèce de râteau pas la con. Oh, hé, hey, sois pas vilaine. Hey. Ok, ouais, parlez. Relation. Tant de bonnes relations. Tout baigne, ça va de mieux en mieux même. J'espère que ça va continuer comme ça. Ok. Bon, bah je reviens, je vais retourner voir, on verra bien. Ok, donc marchera pas, chers amis. Alors, moi j'ai le tuto juste à côté. Get rid of any companion. Ok. Donc elle, on peut pas la renvoyer apparemment. Ouais. Parler. Salut. Un souci ? Renvoyer. Kate, je pense qu'il est temps que tu partes. D'accord, je rentre. Fais gaffe à toi, ok ? Pas de souci. Ok, donc Kate retourne à Sanctuary. Hop, on s'arrête devant Kate. Hop. 7. Alors attendez, 7 stage. 1666.
C'est 5-0. Ok. C'est génial. Pourquoi ça n'a pas fait 0? Si. Alors apparemment cette commande ne marche plus. Set stage. Ah c'est parce que j'ai pas fait d'espace entre les deux. Voilà. Voilà. Ça devrait nous emmener normalement à l'abri 95. Le prochain qui me fait intervention bénigne, voilà. Genou dans l'entrejambe. Pigé. Pardon. On peut y aller. Et là, normalement, faites en sorte que Kate soit votre compagnon. C'est bon pour Allons-y. Moi. Bien, alors on se bouge. Parfait. Normalement, on ne devrait pas rencontrer de quelques bugs que ce soit. Je vérifie. Un flingue chargé et des capsules plein les poches, ça c'est la grande vie. D'accord, on devrait être bon normalement. Bon. Bon, et normalement c'est supposé être par là. On y va, on y retourne. Hop. Enfin on y retourne pas parce que j'avais rechargé moi. Qu'on disait, voilà, Kate à l'abri 95. Trouver la salle de sevrage. Ouais, ce serait pas mal. Ah putain, je me fais avoir à chaque fois. Tu viens ? Allez, viens. Cesse de t'inquiéter. Ça pour protéger quelque chose. Mais quoi ? Viens. Hey. Ouvre la porte. Allez voir ce que c'est. Ça marche. Hop. Ouvre-moi la porte, femme. Merci. C'est bien. Toujours un. Oh la pute ! Oh la pute ! Je passe dans l'ascenseur, elle appuie sur le bouton S bar quoi. Oh la gueule. Bon, on y va. Donc. Tant qu'elles ont pas trigger en fait, elles sont pas touchables. OK. Si tu veux. Hop, la suite. Hop, voilà. Je l'ai pacifié, hein, mais d'une manière un peu plus brutale que les autres. Oh putain, tu m'as foutu les boules. Oh la gueule. Ok. On y est. C'est pas ce qui est marqué, classroom. T'es où ? Oh ! Putain. Mais putain, elle est où ? Ah d'accord, faut que je la suive. Allez viens, on y va. Ah, faut que je la suive. D'accord. Ah, parce qu'elle a dû voir le panneau salle de sevrage, justement. La réponse à tous mes problèmes est dans cette salle. Mais je sais plus trop si je dois y aller ou pas. Oh. Ça finira par si te tuer. T'en débarrasse pas maintenant. Ce truc finira par te tuer. Je sais. Je sais, mais je me demande, et si le psycho était le seul truc qui me permet encore de tenir ? Oh non ! Si jamais ça m'ouvre les yeux d'un seul coup, j'ai peur de pas aimer ce que je vois. Si je me défonçais, c'était pour oublier tous les trucs que je voulais pas admettre. Tous les souvenirs horribles.
D'accord. Je préfère encore cracher du sang que revivre mon passé merdique. Ah putain, je ne veux pas te perdre, je m'en doutais. En fait, la fin de cette quête organise la romance avec elle. Je ne veux pas te perdre. Non, ça fait trop. Tu peux y arriver. Je suis avec toi, ça peut être, c'est très amical aussi. Je suis avec toi. Je suis là. T'as quelqu'un avec qui partager ta douleur. T'as déjà fait tellement de trucs pour moi. Et tu veux encore m'aider. Et puis merde, c'est maintenant ou jamais, pas vrai? Je vais m'asseoir dans le fauteuil. Dès que t'es en place, appuie sur le bouton. Ouais, je suis pas convaincu par la façon dont j'ai choisi, enfin le choix que j'ai fait. Mais enfin bon, pourquoi pas? Allez, on se retrouve de l'autre côté, t'as choisi la pilule bleue. Non, c'est la pilule rouge qu'elle a prise. Pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue? Oui, c'est ça, donc elle a pris la pilule rouge. Hop. Allez, à plus. Commencez la purge. Procédure en cours, veuillez patienter. T'inquiète pas, c'est le temps qu'on fasse les trous ou les différents trous dans ton corps pour qu'on puisse y mettre les prises USB. C'est fini? Non. Même pas de gaz ni rien? Parlez à Kate. Bonjour. Tout va bien, Kate? Comment tu te sens? Bizarre. Je me sens bizarre. Tout a l'air différent. Comme si on m'avait enlevé un voile de devant les yeux. Les couleurs, ouais. Les sons, les odeurs, tout est différent. Ça a marché, putain. Le manque, la douleur, merde. Même l'envie de prendre ma dose, tout a disparu. J'étais HS à ce point. Plus de douleur? Est-ce que la douleur a disparu? Je dirais pas que je suis en pleine forme, mais c'est plus pareil. La sensation de malaise, la douleur, c'est passé d'insoutenable à léger. Je sais pas, peut-être que c'était dans ma tête finalement. Enfin, peu importe. Je me suis pas senti aussi bien depuis une éternité. C'est vrai que je m'inquiétais. Ça me soulage. Je m'inquiétais pour toi. Ouais, moi aussi. Quelque chose me dit que Tommy avait prévu ce coup depuis le départ. Ce vieux salopard m'a viré de la fosse pour que je devienne clean. Et il a compris tout de suite que tu pourrais m'aider. Il a dû voir un truc chez toi qui m'a échappé. J'ai fait tout le boulot. Je prends soin de mes amis. Je prends soin de mes amis. Ouais, c'est vrai. Écoute, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. T'étais là pour moi, et contrairement au reste du monde, tu m'as jamais laissé. Oh, c'est bio. Je suis vraiment pas douée pour les remerciements. Alors faudra te contenter de ça. Bah non, mais tu te retournes, tu te penches en avant, puis c'est bon, je te remercie. Et oublie définitivement cet endroit. Ok, c'était dégueulasse. Oublie tout ça, chers amis. Bon, allez, on roule. Bon, bah elle est soignée alors. On va voir si je peux pas lui donner du psycho tout à l'heure. Ça pourrait être rigolo. Genre, tu sais, va ramasser le psycho qui est là-bas. Hop. Qu'est-ce que... Ok, très bizarre. T'es sérieux? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais où est-ce qu'elle est, putain? Ok. Elle est devenue un spectre. La voilà. Ouh. Attention. Attends, on va parler quand même. Relation. Tant de bonnes relations. Toi et moi contre le Commonwealth, pas de problème. On va tout déchirer. Cool. Même l'anus d'un garçon de 3 ans. Oh, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Oui, j'en reviens à ce que je disais au fait au niveau d'une...
d'une comment d'une histoire à propos d'elle. Comme quoi, les parents ont entendu qu'elle avait 18 ans. Je serais curieux de savoir si dans la version originale, ils attendent qu'elle ait 18 ou 21 ans. Est-ce que c'est 18 ans parce que c'est au pif, ou est-ce que c'est 18 ans parce que c'est la majorité européenne, entre guillemets. Ça m'intriguerait de le savoir, parce qu'au final, si c'est 18 ans dans la majorité européenne, ça veut dire qu'en fait, en version originale, c'est la majorité américaine, donc entre guillemets, les 21 ans, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Dites-moi si je me trompe. Et si c'est à 21 ans qu'ils l'ont vendu, ou si c'est à 18 ans, ça veut dire qu'en fait c'était complètement au pif. Si ça n'a aucun rapport avec la majorité, en fait, voilà, c'est ça le truc. Elle doit être là, mais pas là en même temps. Elle était là. Pourquoi t'étais à genoux? Mais non! Oh, la vache. Ok, bon, t'es guéri. C'est cool. Oh, mais tu suis beaucoup moins, hein. Alors j'ai peur d'aller là-dedans, parce qu'au final, dans cette direction-là, c'est la mer luminescente. Ponton des gardes-côtes. Tiens, ça me fait penser, chers amis, moi j'avais prévu de vous passer du Firewatch, mais j'ai vu sur Steam que Firewatch n'allait être disponible qu'en anglais. Version originale vocale et aucun sous-titre français. Alors, ça me fait royalement chier parce que bon, l'anglais je suis bon, mais alors la traduction à l'oral, enfin vous savez que la traduction instantanée et moi c'est pas top. Donc ça me fout en rogne à vrai dire. Qu'est-ce que... Exécuteur super mutant. C'est quoi ce bruit? Je te sens, petite... Raté. Il attend que je m'approche. C'est presque trop facile. Oh, salut les copines. Non. Tu cognes comme rat. Hop les. Boum. Vous avez vu ça, le feu d'artifice? Ok, on continue. Il n'y en a pas encore un. What the... Primate, super mutant, qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? À quelle vitesse il m'a buté? Elle croit que j'avais jeté l'arme. T'es sérieux ou quoi? Tu jettes ça? C'est ça qu'elle a sorti en fait. Bon bah tant pis. En fait, elle est finie la quête, on est d'accord, on l'a bien faite. Hein. Ah oui, exact, bon. Bon. Alors par là, il y a une casse, mais c'est pas par là que je voulais aller, moi. Les super mutants, ça m'intéresse pas à la base. Mais bon. On va aller se les faire, on a commencé. On va finir. Une minute. T'as entendu quelque chose? Hop les. Hop les. Quelqu'un nous suit. Hop les. Comment ça, quelqu'un nous suit? Hop les. Voilà. À peine à se marrer. Seigneur super mutant ou ça? Faut vert.
Hop les, la tête. Hop les. C'est peut-être ça qui est dommage. Il fallait 1 million de balles, pourtant j'ai pas des armes moisies, quoi. Il est encore là, lui. Quelqu'un se fout. Par ici ! Par ici ! Qu'est-ce que. Wow. C'est quoi ce bordel ? Hop. Allez, vas-y. Brûle-le ! What the ? Putain, il m'a foutu les boules, celui-là. Casse-toi! Allez, t'as pas idée à quel point ça fait mal. Alors, on sait tous, chers amis, qu'il y en a un deuxième. Enfin, qu'il y en a un autre. Je ne le vois pas. Je ne vois pas. C'est quoi ça ? Ok, je l'ai vu. Bon, on l'a en viseur. Parce que c'est une putain de saloperie ce machin là. Il descend l'escalier. Attends, t'as entendu ? Hop, grenade. Grenade 2. Merde. Merde. Alors. Non, pas cette arme là. On va lancer plutôt. Combat avec le tuyau. Hop les. Ah désolé pour le sang sur tes Gucci. C'est le jeu. Ok, on y va, on fouille. Un établi. Une armure de super mutant, j'ai pas compris ce que c'était en fait à la base. Du cadavre partout. C'est dégueulasse. Un micro. On va bien trouver des trucs intéressants dans tout ce bordel. Ouais, bah j'ai pas envie de fouiller les trucs des restes humains là. Surtout ça, moi qui me fait chier. Os de jambe gauche. Voilà exactement pourquoi je ne voulais pas le fouiller. Os de main droite, bla bla bla. Castaway's Ring. Castaway's Ring. C'est quoi ça? Ah zut. Hop. Voilà. Hop. Spoiler. Oh, c'est de la merde. C'est juste de la merde. On aurait dû continuer, ne pas nous arrêter. Ah, save, déverrouiller expert, ça c'est intéressant. Non, non, viens voir papa. Aïe. Hop les, le voilà. C'est bon. Student. Student, ça peut être pareil. Je vais quand même faire la recherche. Non. Il est encore plus moisi. D'accord. Ok. Kate a aimé. Oui, bien sûr, je suis doué avec mes petits doigts.
elle le sait bien. Oh, ça parle mal, cette coquine. Hop. Wooden crate. Oh, et novice. Ça devrait s'ouvrir tout seul, voilà. Ouais. Boîte de conserve, pourquoi pas. Radix, cependant, c'est beaucoup plus intéressant. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais recharger mon arme, mais c'est bon. Ok. Alors là, il y a une espèce de truc de forêt, c'est bizarre. Ok, je m'attendais pas à ça. Parc des pionniers de la robotique. Il y a des ghouls. On nous suit ou quoi? Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Je te vois. Il y en a d'autres? Ok. Donc on a un réparateur, un pompier, un infirmier et un flic. Donc c'est peut-être pas un réparateur, c'est peut-être un truc de métro. Et est-ce qu'on peut les déclencher tous? Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Terminer le commande du parc, des protectrons du parc. Ok. Duck. Non, c'est pas Duck. Est-ce que c'est Head? C'est pas Head. Est-ce que c'est pas Don? Ça peut pas être Hill. Phil, pardon. Peut-être mort. C'est pas mort non plus. Donc c'est pas Potts. Ça peut être Eyes. Ça y est. C'était Eyes. Voilà. Vue d'ensemble du défilé du Protectron. Le programme défilé du Protectron s'écoute aux horaires suivants. Samedi, dimanche, 10h, 15h. Jeudi, vendredi, 17h, 19h. D'accord. Donc il faudrait être là au moment où en fait le bal des Protectrons commence. Quel jour on est, quelle heure on est? Ouais, mais on peut pas savoir si on a un jeudi, un lundi, un mardi, un mercredi. Faudrait que j'aille voir sur un... Oh. Faudrait que j'aille voir sur un... Comment que ça s'appelle? Un calendrier, vous savez, où je peux modifier l'année. What the... Très bizarre, ça. Bon, bah, on les déclenche pas, on ira les déclencher une autre fois. Une fois que je me serai renseigné. Qu'est-ce que... Attends un peu que je te retrouve. Ça va chier. Non. Ah. Yeah. La maison. C'est qu'une maison en bois, je sais. Vas-y, Kate. Quoi? T'es mort? Mais comment c'est possible? T'étais un légendaire. T'es un légendaire bas niveau, peut-être. Qu'est-ce que... La lumière blanche, là-bas, c'est marrant. Je peux passer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Non, c'était le nid. On peut en rentrer par derrière, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Hop. Sniper's Ring, Steady Aim, ça veut dire qu'en fait j'ai une plus longue... vous savez, une plus longue façon de tenir, enfin une plus longue respiration, entre guillemets, on va dire. J'ai une visée tenace, entre guillemets. Ok, c'est tout ce qu'il y avait? Je me dirais c'est pas mal en soi déjà, mais... Attendez un petit peu à mieux. Wow. Ghoul sauvage effrayante. Errante, pardon. Échantillon de sang viable. Ah ah. Rien ici. Oh putain, elle m'a foutu les boules. Pur réflexe, hein. Ah!
Dégage! Dégagez! Qu'est-ce que... Mais j'étais à deux doigts de crever en plus! Ah non, c'est juste un bug de lumière ça, ok. Ok, ok. Bon! Eh bien, c'est bien flippant par là. C'est extrêmement flippant. Kate, tu suis? Kate? Kate? Bon bah tant pis. Ça me fait chier pour Kate. Kate? Oula! J'ai pas eu le temps de le viser. Et la lumière, mais il n'y a pas les ennemis, c'est marrant. Si, il y en a une là-bas, et c'est un... C'est un super mutant. Kate. Hop les. Marrant, j'entends plus ma respiration à bail parce que je n'ai plus. Par contre, sinon, ouais, on l'entend plus. Il fait plus le... Ce qui n'est pas bon signe, à vrai dire. Je suis con, il est en tenue, normalement. Ouais, enfin bon, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Ça y est, te v'là. Une minute. T'as entendu quelque chose? Rien du tout. Ouais, on va rééquiper l'anneau normal. Faut que je réduise les doses. Quelqu'un nous suit. Mais non. Hop les pleines têtes. Quoi? T'es sérieux? Hop. Oh. Oh, comment j'ai pu te rater de là? Ah. Là je l'ai raté. Hop, putain mais il est solide. Ça y est. Ouh. Mais il y en a encore. Ça en fait des ennemis. Commençons par là. Il doit rester un chien quelque part en fait. Bon, viens. On va aller là. Station d'émission WRVR. Qu'est-ce que... Il y a de la lumière là-bas. C'est de là qu'on vient, ça que je comprends pas en fait.
centre d'émission WRVR. Eh bien écoutez les amis, on fera ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, nous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif via mon partenaire Gamesmet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens, et boum.